Hello les gens! Petite cinématique! Grâce à l'héroïsme sans égal de la première division d'infanterie, les forces alliées bousculent les troupes de Laz, Adjela et Troïna. Même les chars de la puissante division Hermann Göring ne font guère le poids face à la meilleure unité américaine de toute la Seconde Guerre mondiale. En 37 jours de combats ininterrompus, la Big Red One a pris le contrôle de 18 villes et villages. Les forces de l'Axe sont chassées hors de Sicile. L'opération Husky est un succès retentissant pour les Alliés qui règnent sans partage sur la Méditerranée. Le dictateur italien Benito Mussolini est renversé et l'Italie capitule le 8 septembre 1943. Churchill et Roosevelt, persuadés que la victoire a changé de camp, s'engagent à ouvrir un second front en Europe pour soulager l'armée soviétique assiégée. Impliquant plus de 4000 embarcations, et précédé de largage massif de parachutistes américains et britanniques, l'opération Overlord est le plus grand débarquement de toute l'histoire. Passée sous le commandement du général Clarence Hübner, la division fait route vers l'Angleterre afin d'y subir un entraînement spécifique qui doit la préparer à jouer son rôle dans une bataille cruciale pour l'avenir du monde. Dans les premières heures du 6 juin 1944, sous le ciel imprévisible de la Manche, les forces de libération prennent la mer. La première division d'infanterie est chargée de la prise d'une section de la côte normande, désignée sous le code de Omaha Beach. Mais l'armée allemande s'est préparée, et Rommel, qui cherche à laver l'affront de sa défaite amère en Afrique du Nord, commande lui-même la défense du nord de la France. C'est le tournant de la guerre, et Hitler va bientôt vaciller sous les coups des vétérans enragés de la Big Red One. Youpi! Allez, on arrive en France, comme la première mission. Donc on fera, là on est au Bahama Beach, on fera Mons, on fera Eldonor, on fera Bushore. Peut-être que l'un d'eux on l'a déjà fait durant la première mission, je sais plus ce qu'on avait fait, il faudra que je revoie la carte. Débarquement en Normandie, la grande croisade. Comment ils font dans la baby? Ça va être du gâteau. Enfin, ouais, les gars. Ils doivent même pas savoir qu'on arrive. Comme ouais. Le lieutenant. Ouais, tu parles. Ce que dit le lieutenant. Dites, sergent. Pourquoi on n'est pas dans les bateaux avec le reste de la division? Parce que notre boulot, c'est de veiller à ce que ces gars arrivent entiers sur la plage, Kelly. C'est pas croyable. Y a pas un tir venant de la plage. Le gars a peut-être fait mieux qu'on pensait. On doit protéger les bateaux. Remis ça et dirigez une tire de mortier. Détruisez les bunkers sur la falaise. Quoi? Ok. Ouais, bah faudra que je vise quoi là? Ah. Sur la voile. Ok. Touché. Bah attends. Tu me dis quand tu veux viser les autres. Attends. Sur la voile. Continuez comme ça. Bon. Non, non, il dit toujours sur la droite alors que l'autre fois c'était même pas la droite. Continuez comme ça. Rejoignez les bulldozers, ok. On va débarquer les gens. Ça
Ça, c'est une flotte. C'est pas une flotte de PD. Mec, ça c'est pas la droite, c'est la gauche. Je te tiens, mon pote. Au canot de sauvetage. Il a une tête de puceau, l'autre. Ceux qui sont morts et ceux qui vont mourir. Allez, on se bouge. Ok. J'ai... Ah, Matt Thompson. Et là, un gars garante, même si je préfère la carabine. Mais ça, je pense que vous l'aurez compris depuis le temps. Putain. Allez, des nazis, enfin, pur et simple, des Allemands, ça faisait longtemps. On est en France, les gens. Et on va tuer des nazis. Ah, la MP44, ok, je vais remplacer la MP40 par ça. Bonjour les bulldozers. On peut plus faire passer de chasse tant qu'on contrôle pas cette plage. Le caporal, attends, c'est caporal qui? Caporal Modric. Putain de merde. Notre guerre. Trouvez les gars du génie pendant qu'ils dégagent ces barricades. Bonjour. Je vous jure, je suis pas là. Je ne suis pas là. Hop là, hop, 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 hop. Je me remets à couvert. Ah ah. Ah bah voilà. C'est nickel, les gens. Ah, go 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 les tapettes là. Ah mais je les couvre moi. Oh putain. Là je vais mourir. Couvrez-moi. Y'a pas du putain de soin dans le coin. Je vais ramper jusqu'à la trousse de soins. Salut toi. Non, c'est pas ça que je voulais, c'est ça. Merci. Lancez-vous derrière ce char, il vous protégera. On sera vers l'un pour Noël. Je te le dis, Michel. J'adore quand même les chars bulldozers. Hein. Bon ben adieu le char bulldozer. Sur la droite. Je t'ai dit adieu. Ouais, merci. Sunshine grenade. Attends.
Bon, qui c'est qui me tire dessus? C'est vous. Bon. Là, on peut dire que c'est de la badassitude. Bonjour. Dans les tranchées, il y avait du... Attends, il y avait du son là-bas. Attendez, les gars. Oh, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Non, il n'y a rien. Attendez, il y avait du son. Moi, je me barre pas sans son, là. Je suis pas fou, non. Dans les tranchées, lesquelles? Boom. Ok, celle-là. Boom. Fail. Fail, toi aussi. J'ai dit fail. M'écoute, oh putain. Casse. Autant ceux avec les cas, ils sont faciles à faire du Falcon Punch, autant les autres... Même pas en vrai. Voilà. On les reconnaît, ceux qui ont le car, ils mettent du temps à tirer. Mais ça va, ils ont beaucoup de cars, donc. Pomme. Désolé, t'avais pas qu'à te foutre là en même temps, hein. J'ai dit ouais, wesh. Il crêpe pas où? Qui c'est qui veut regarder la petite sirène? Ah merde, c'est vrai que le film n'est pas encore prêt, il n'existe pas encore. Bah pas grave. Mieux vaut un début. Oh, elle. Je crois qu'il me l'avait fini à ma place, non, c'est bon. Bon, ouvre-moi la porte, bande de cons. Oh putain, j'ai vu des points rouges derrière. Ah non, c'est juste l'autre là-haut. Salut. C'est là que ça repète encore une fois. Oh, j'ai tellement l'habitude que. Ça me surprendrait même pas. Bonjour. Bon. Ah, qu'est-ce par là, je pense. Enfin, je sais pas. Non. Bon. Les gars, faut aller où? Les gars. Ah, pardon. Merci de me le dire, hein. Bande de cons. Ah, mais c'est galéré dans mon coin. Paume. Suivant, suivant. Allez, qui c'est qui est le prochain qui veut me... Boum. Ah, j'ai tout de suite compris ce qu'il fallait faire. Et maintenant, essaye de faire ton boulot, Smith. Boum. Boum, 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 boum. Couvrez les gars du génie, maintenant. Je les couvre, moi! C'est vous qui les couvre, toi! Aidez-moi! Il va y en venir combien? J'arrive, les gars! Attendez-moi! Ouh! J'ai beaucoup plus de munitions maintenant sur celle-là. Et hop, encore une nouvelle arme qu'on aura à la fin du truc. Trouvez ces saletés de tranchées à mortier et détruisez-les! Faites taire cette mitrailleuse! Le dimmer! Le dimmer! Voilà. Ça, c'est du truc. Paume. Paume. Ça, c'est la classe, hein. J'adore. Oh putain, j'ai cru que c'était un ennemi. J'ai changé avec quoi? Non. Le car. Même pas en rêve que j'échange avec le car. Paume. Oh, attends.
Ah, dommage, il était bien installé sur une chaise, lui. Poum. Et poum. Voilà. Mettez, attention. Voilà. Les tranchées à mortier. Pam. Comme ça va l'habitude. Pam. Poum. Ok, et lui il est où? Truc à mortier là? Oh, il est là, c'est rare. Je suis sûr qu'il est en haut. Eh les gars, mais putain, il y a un Allemand qui essaie de vous buter! Mais vous êtes con! Non, lui c'est peut-être. Alors toi, t'as le même costume qu'eux à peu près. Donc, tu fasses gaffe, sinon je risque t'agresser. Non, mais les mecs, il y avait juste un Allemand qui essayait de les buter là, juste devant eux, mais. Boum! Poum. Ah oui, hein. Poum poum poum. Hein. Bonjour. Bonjour, je viens vous dire bonjour, c'est les pompiers, c'est pour le calendrier. C'est bon, ils ont plus la mitraille, j'ai l'impression. Je suis content. Pom. Et pom. Peut-être que j'arrête de faire le con là. Un petit peu. Moi. Oh putain. C'est bon? Putain, mais je pensais que c'était des ennemis. Putain, quoi. Bah, allez-y, hein, les gars. Putain, mais pourquoi c'est moi qui dois y aller, là? Vous voulez que je me fasse buter? Non mais parce que moi il me reste juste quasiment peu de vie hein les gars. On va rester là sans bouger. Désolé encore pour toi de RT. Bon, va falloir faire gaffe. Je tiens un petit pas ma peau. En plus, il y a l'air d'avoir. Ça fait un petit moment qu'il n'y a pas eu de panne de contrôle. C'est bon. Ok, attends, je ramasse des munitions. Poum, 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 poum. Et regardons la belle explosion. Entrez dans l'entrepôt. Ouais, comment on y accède à cet entrepôt? Attends, on va déjà remonter. Eh les gars, ils s'étaient barrés sans moi. C'est gentil, les gars. Je suis pas rassuré les gars, filez-moi de la vie ou faites au moins un point de contrôle, putain.
Allez, mourrez. Qui c'est qui va mourir? Meurs. C'est pas ces nazis qui me buteront. Ah, c'est bon. Du soin. Ok. Alors toi... Oh putain, mais alors j'en ai marre de ça au bout d'un moment. Poum. Meurs. C'est bon. Oh punaise, alors lui... Et hop, je fais la toupie avec mon pied. Qu'est-ce que vous faites en plus, vous? Alors lui, c'est magnifique. C'est la plus belle mort que j'ai jamais vue. Alors le mec, il a son pied coincé dans le truc. Regardez, il fait la toupie, on va essayer de le rejoindre en même temps. Pour l'aider. Eh regardez, attention. Bonjour. Salut toi. Bon, vous savez pas buter un putain d'ennemi vous. Voilà. Bon bah toi, je vais te laisser un petit peu. Ça t'apprendra, hein. Lui, il va tourner encore 3 ans sur lui-même. Eh, salut, je peux dire bonjour à ton pied? Non? Ok. Je pense déjà à peu près savoir ce que sera le titre de la vidéo. Oui, le titre de la vidéo sera en rapport avec ça. C'est la plus belle mort que j'ai jamais vue. Bon bah salut hein. Ravi de t'avoir rencontré toi. Merde, putain j'ai pas fini mon boulot en haut. Rebonjour, j'avais oublié, j'ai pas fini mon truc en fait. J'étais en train de me dire aussi. Bon, au revoir les gars hein. Content de vous avoir connu, non je déconne. Soignez-vous et comptez vos munitions. On a un dépôt de ravitaillement à sécuriser derrière ces portes. Est-ce qu'on a une idée de ce qui nous attend, sergent? Aucune, Kelly, mais les ordres de la Fox sont de sécuriser le dépôt, quelle que soit la résistance ennemie. Bah, la routine, quoi. Maintenant que quelqu'un m'ouvre ces satanées portes! Comment j'ai fait pour le ça? À couvert! Ah, pour une fois, j'étais pas près des portes quand ça a explosé, ça change. Au revoir, les gens. Content de vous avoir connu. Ah, maintenant faut le capturer. Bon, vous m'ouvrez la porte. Du canon 88. Boum. Boum. Là, j'ai fait risque avec eux. Je me sens pas très bien rassuré. Ça meurt. Boum. Je suis content qu'il y ait du soin, parce que là, pendant un petit moment, il n'y avait plus de soin. Et je me sentais comme une vierge en plein milieu d'un champ de maïs, vous voyez.
Là, j'ai comme une vierge en plein milieu d'un champ de DSK. C'est la même sensation que j'avais. Mais les gars, couvrez-moi, hein. Je vous fais confiance. Coucou! Au revoir! Boum! Oh putain de merde, je me bats! Salut! Ok, on en a une grosse, hein, de rouge, hein. Elle est première, hein, notre grosse rouge. On est l'équipe de la grosse rouge. Oh, putain. Salut, ça a pété, les gars. Ça a bien pété, ici. Au moins, ça a marché, ma tech. C'est pas ce que je voulais. Parce que je voulais. On a pris mon soin, hein. Oui, je vais reprendre l'escalier. Ok. Bon, on va encore attendre un petit peu. J'espère que ce niveau est bientôt fini. Ça doit faire mal. Regroupez-vous tous. Juste un petit mot. J'ai eu ma part de combat depuis que je suis dans l'armée, mais je dois dire que celui-là, c'était le pire de tous. On a perdu beaucoup d'hommes courageux sur cette plage, et c'est regrettable. Mais en enfonçant la porte d'entrée d'Hitler, on a sauvé la vie de centaines d'autres gars. Vous êtes l'élite de l'élite, la première division d'infanterie, la Big Red One. Je suis sacrément fier de servir avec chacun de vous. Bon, assez parlé. Récupérez des munitions et reposez-vous. J'ai l'impression que ça fait que commencer. Merci, Hawkins. Bon, ben, allez, ouais, on se garde et je vais vous montrer les petits trucs bonus et on s'arrêtera. On devra se retrouver ensuite avec Steve pour du Dark Side, vous verrez, ou pour la mille... Non, peut-être pas pour la millième c'est déjà fait. Non, pour Dark Side. Pop-pom. J'espère que cette vidéo, elle vous a plu, hein. Allez, petit nana, oui, papa. Qu'est-ce que je suis en train de chanter? Alors...
Personnage, Smith. Donc voilà. C'était. Ouais, Vic, il est mort. Smith. John Jackson Smithy Smith. Schmitty Smith. Né à Cleveland, Smith n'était heureux que lorsqu'il réparait une machine. Bien avant la guerre en Europe, il était mécanicien dans une division d'artillerie pendant quelques années. D'accord. Qu'est-ce que... Ok, il n'y avait pas de nouvelles armes en fait. Sherman M4, le Sherman pouvait être équipé d'une lame de bulldozer pour propulser les espaces, y compris avec un de blindeur d'état. LCI, ce véhicule de débarquement à fond plat était conçu pour faciliter le débarquement rapide pendant un assaut amphibie, il pouvait aller jusqu'à la plage même. J'étais pourtant sûr qu'il m'avait dit qu'il y avait une nouvelle truc. Oh bah allez savoir. Par contre les pistolets ils nous servent à... Ah si il y a des UO, qu'est-ce qu'ils racontent? Pendage reste, inspirant des bazookas ennemis capturés, voilà, cette arme allemande peut pénétrer 200 mm de blindage, j'ai oublié, ouais. Panzer Shrek, ok. MP44, cette arme allemande a été l'un des premiers fusils d'assaut. Chargeur 30 balles, oui. En fait il y a eu un bug. Voilà, c'est ce que je me disais. C'était bizarre. Voilà le masque. Le Colt 45 MLA conçu par John Bowning, ce pistolet a été l'arme de point standard de l'armée américaine pendant 70 ans. Celui-ci il est nouveau. Même si les pistolets jusqu'à maintenant je les ai encore jamais utilisés. Ça fait drôle. MG34. Cette mitrailleuse allemande souvent utilisée comme une arme à tir aérienne montée sur trépied. Se bloquait facilement. Ok. Cool. Ah, je me disais bien, il y a juste un bug. Obama... Obamabige. Et il reste 4 niveaux, les gens. 4 niveaux, on aura fini ce jeu, mon colonel. Bon, je vérifierai si vraiment il reste 4 niveaux, mais bon. Allez, bye, les gens. J'espère que ça vous a plu.